Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un troisième haul, donc là de la fête du Scrabble. J'ai fait les ventes privées chez la fête du Scrabble. J'étais en train de réfléchir, mais non, c'est les ventes privées que j'ai fait chez la fête du Scrabble. J'ai pas pris de choses qui étaient vraiment soldées, tout n'était pas soldé. Mais je suis contente de ce que j'ai pris. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, j'ai pris des stickles. Donc là, c'est Golden Rod. Voilà. Donc ça, c'était autour de 3 euros. Ici, c'est Unicorn. Voilà, ça brille de partout, de mille feux. Et celui-ci, c'est Cooper. Voilà. Ça, c'est des choses que j'avais pas, donc j'ai pris. Si vous vous souvenez, quand je fais les soldes comme ça, j'essaie toujours de prendre des choses que j'ai... de trouver les choses que j'ai... des produits, on va dire. Je parle plus de produits que de tampons, de papier, etc. Je me concentre un petit peu plus sur tout ce qui est matériel. Voilà, tout simplement. Donc là, c'était autour de 3 euros le stickles, je crois. Ça devait être ça, mais voilà. J'essaie de, d'ordre général, de me concentrer sur du matériel plutôt que des papiers. Donc là, vous avez vu, j'ai eu un atelier de Karine où il y avait des papiers et des tampons, etc. Mais j'essaie de me concentrer vraiment sur du matériel. Donc là, il y avait un lot de Lindy's en promo. Donc, il y avait une petite remise dessus. Donc, c'est toujours intéressant sur des Magic Haul. Donc là, c'est le set Cosmopolitan Pink. Donc, j'ai pris le rose. On testera le nuancier. Il faut que je rajoute des rubans de 10 mouches, j'en ai plus. Fusil Nervel Pêche. Voilà. Donc, est-ce que ça correspond bien à la couleur? Je ne sais pas. On verra ça. Un Blue Hawaii Blue. Donc, un bleu. Hein. Un My Mojito Green. Et A Bit of Butter Blind. Donc, voilà, un beige. Donc, on fera le nuancier. Était revenu à la fée, donc, les Versafine. Donc, celle-ci que j'avais, qui était en rupture quand moi, j'ai commencé. Quand je les ai pris, c'était l'Arctique, donc des nouvelles Versafine. Et celle-ci que je trouve superbe, la Baby Pink. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pas soldé, hein, bien entendu. J'ai pris un gros anneau comme ceci pour mon nuancier Schwan Flower parce que le mien était trop petit, donc j'ai pris un gros anneau comme ceci. Était soldé donc la Mademoiselle Coco de Stamping Bella. Alors ils arrêtent Stamping Bella, donc ils font de très bonnes remises dessus. Après, celle-ci était encore pour moi un peu chère, 18 euros, je trouvais ça encore un petit peu cher. Alors tout simplement c'est un petit clin d'œil hein, puisque ma maman adorait le parfum Chanel donc qui moi ne me va pas du tout puisque j'ai tendance à faire virer d'ordre général la marque Chanel ne me convient pas du tout au niveau de ma peau. Et mais je sais que ma mère adorait Chanel et donc du coup, bah, la Mademoiselle Coco, voilà. C'était le petit clin d'œil qui était pour ça. Donc j'avais vu également Art by Marlène qui faisait une magnifique page avec et du coup, ça m'a donné envie de la voir. Ça fait très très longtemps que je regardais les petits timbres comme ceci. Notre amie Art by Marlène fait ses doudous avec ces timbres-là. Ça me donnait envie. Ils ont souvent été en rupture de stock et du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient présents, bah, du coup, je les ai pris. C'est différents dies de la fée. Donc ça, c'est autour de 15 euros. Mais je l'ai trouvé super chouette. Donc voilà, j'ai pris.
Il y avait également de solder donc la collection de papier Farmer Garden. Donc là j'ai pris, c'est mon deuxième lot, donc j'en ai déjà pris à la fourmi créative. Et j'avais peur d'être juste avec un paquet, donc du coup j'en ai pris deux paquets, comme ça j'ai le recto verso, on peut utiliser toute la collection. C'est pour ça, donc je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais du coup j'en ai deux paquets de papier. Hop. Alors je vous disais dans une précédente vidéo où j'avais commandé une couverture d'album, je sais pas encore comment je vais la faire parce que du coup c'est moi qui ai pas fait gaffe aux dimensions tout simplement. Donc j'ai voulu prendre donc celui-ci, vous voyez bien, 20 ans pour faire l'album à Quentin, je trouvais que c'était super chouette. Donc eux le présentent avec des trous, moi j'ai pas envie de le mettre avec des trous. J'avais dans l'idée de faire une surcouverture avec ça, donc de faire une couverture de base et que de le recouvrir ce médium et de le poser au final sur ma couverture. Et vu que je ne connais pas l'épaisseur que j'aurai de l'album, je m'étais dit, bah, je vais prendre une tranche puisqu'ils vendent des tranches d'album. Sauf que si je regarde, il y a un petit souci. Donc, mon idée peut-être, c'était de faire une tranche peut-être en décalé. Voilà. Après, je me dis, ça peut donner un style, hein, ça peut faire sympa aussi. De faire, alors pas coller, hein, bien entendu, je laisse mon espace pour tourner ma page, etc. Mais de faire ma tranche plus petite que l'album. Voilà, tout simplement. Et avec les 20 ans était vendu le dos. Donc, on peut obtenir quelque chose, voilà, de déstructuré au niveau de la tranche. À voir si je fais cette idée-là ou pas. Je ne sais pas encore. Mais ça peut être sympathique aussi. Il faut juste que je trouve comment que ça tienne, le tout tienne bien correctement. Voilà. Mais je pense que c'est jouable mon affaire à étudier et à méditer quand je ferai l'album. Déjà, on va déjà faire la fête et après on aura les photos en conséquence. Donc ça. Ça, c'est pour ça. Ils ont soldé également des aquarelles Daniel Smith. Donc, bah, du coup, j'en ai pris 5 tubes. Parce que c'est vrai que c'est le top du top au niveau de l'aquarelle. Donc, voilà. Ils sont chers, mais ça reste de la très très bonne peinture aquarelle. Donc bah, du coup, j'en ai pris donc 5. Donc là, j'ai pris la Phthalo Blue. Voilà, donc après, j'ai plus qu'à faire mes petits godets. Hein. J'ai pris la transparente Pierrot. Voilà. La Naples Yellow. La Phthalo Green. Voilà. Et la quinacridone reine. Voilà ce que j'ai pris. Donc des couleurs plutôt basiques, mais je me suis dit tant pis, hop, vu qu'ils arrêtent, je ferai ça plutôt plutôt sympa. Après, ça fait c'était 20% que je crois que j'ai eu. Bon, c'est toujours ça de prix, moi je vous dis. Voilà. Mais j'aime bien. Comme je vous disais, prendre du matériel que je ne prendrais pas forcément. Mais là, voilà, comme ça, je sais que j'ai l'album pour Quentin ou j'ai sa page de couverture. Quand je vais m'y mettre, je pourrai le faire. Donc, en petit cadeau, j'ai eu ce petit papier calque. J'ai eu des die-cut de la collection Un air marocain. Voilà. Et la petite étiquette du mois de juin. Voilà. Toujours sympathique en petit cadeau.
d'avoir tout ça. Et donc, et ben voilà pour le petit haul de la fée du scrap. J'ai tout posé par terre, c'est un bazar pas possible, mais c'est pas grave, je vais tout ranger. J'attendais de faire mes vidéos pour pouvoir ranger mon petit bazar, mais bon, c'est pas grave. Donc, on se retrouve tout de suite après pour un dernier haul de mes soldes 2024 été. Et j'espère que vous avez pu trouver ce que vous voulez en solde. Je pense que là, certaines bonnes affaires sont à faire sur différents sites et ça reste intéressant. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!